La forme de votre nombril est révélateur de votre personnalité. Le nombril rond. Si vous êtes de ceux ayant un nombril rond, alors vous êtes optimiste. Vous préférez voir le positif plutôt que le négatif, et cela vous permet d'aborder la vie avec enthousiasme. Même si l'on vous blesse, ou que vous devez faire face à des difficultés, vous le faites toujours avec le sourire, et la joie de vivre. Et tout cet optimisme passe par votre capacité à communiquer, à entretenir des relations saines, et à garder continuellement espoir. Vous êtes très terre à terre, et vous ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit. Le grand nombril, un grand nombril aussi large que haut, indique que vous êtes quelqu'un de particulièrement généreux. Vous donnez sans compter, qu'il s'agisse de votre temps, votre énergie ou encore vos sentiments. Ainsi, vous défendez toute personne dans le besoin. De plus, vous excellez dans les relations, car vous savez gérer les conflits, avec finesse et sagesse au vu de vos diverses expériences relationnelles. Le nombril peu profond, votre nombril peu profond illustre, une dimension mystérieuse de votre personnalité. Vous êtes du genre à savoir garder un secret, sans jamais céder aux avances des autres, pour découvrir ce dernier. D'ailleurs, vous vous méfiez énormément des autres, et vous ne faites confiance qu'à vos proches, et vos plus fidèles amis. Avec vous, la confiance se gagne. Le nombril saillant. Si vous avez un nombril saillant, vous êtes du genre à avoir une forte personnalité. Vous êtes très têtu, et pensez avoir toujours raison. En outre, vous adorez être sous les feux des projecteurs, pour attirer l'attention, car vous connaissez votre vraie valeur, et que vous ne doutez pas de vos capacités. Cependant, cela vous pose problème en amour, parce que vous avez du mal à trouver une personne à la hauteur. Le nombril vers le haut, en omphalomancie, un nombril grand, profond et qui s'étire vers le haut indique une naissance relativement saine, et donc un esprit sain. Ainsi, vos principales qualités sont votre énergie, votre sens de l'humour, et surtout votre joie de vivre. Vous êtes toujours enthousiaste à l'idée de faire quelque chose de nouveau, surtout si cela vous aide à atteindre l'objectif secret que vous avez au fond de votre cœur. Le nombril vers le bas, à l'opposé du nombril vers le haut, celui vers le bas se caractérise par une énergie physique plus faible. Ceci étant, il ne s'agit là que de l'aspect physique, car au niveau cérébral, vous êtes très intelligent. Bien que les autres peuvent penser que vous êtes du genre paresseux, ce n'est pas le cas. Vous utilisez simplement vos capacités d'une manière différente, qui vous sert à réduire vos efforts physiques. Le nombril ovale, si vous avez un nombril ovale, long, étroit et peu profond, vous avez une grande sensibilité, et vous êtes hyperactif. En effet, l'agitation physique et mentale fait partie intégrante de votre quotidien, car vous avez toujours besoin de faire quelque chose, d'être occupé. Ainsi, votre agitation et votre ennui rapide vous poussent à la curiosité. Toutefois, votre hypersensibilité fait que vous ressentez les choses profondément, et que vous êtes facilement blessé par les autres. Le nombril large. Un nombril large est généralement associé aux personnes méfiantes, qui ne font confiance à personne, mais ce trait de caractère indique surtout, que lorsque vous laissez quelqu'un entrer dans votre espace vital, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, pour que cette personne soit heureuse, et pour la protéger. Vous êtes particulièrement loyal, et fidèle. Le nombril en forme de I à l'envers. Il s'agit d'une forme de nombril assez rare, qui illustre les personnes modestes. En effet, si vous avez le nombril en forme de I renversé alors, vous n'êtes pas du genre à être sur le devant de la scène. Vous savez ce que vous valez et pour vous, le succès est quelque chose de personnel, qui n'a pas besoin d'être étalé sur la place publique. Vous êtes le genre d'inconnu, qui change la vie d'une personne grâce à son authenticité.